Bad Trip, la vidéo, c'est beau. Toutes les semaines, un résumé de Koh-Lanta avec un nouveau défi. Cette semaine, un rhume. Koh-Lanta, résumé de Koh-Lanta numéro 7. Top. Pour manger. Je pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de blagues cette semaine. Par exemple, là, j'ai pas de chute. Le Tunisien? Malaisien? Malaisien, non. Il est pas Tunisien, non, c'est pas... Non, il est... Polynésien. Le Polynésien a senti le vent du boulet. C'est le vent, comme si le... Ça, c'est une expression qui date à peu près du Moyen-Âge. De toute façon, c'est pas une expression qui date de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être même pas la Première Guerre mondiale. Peut-être. J'arrête là. Théoura a quand même un t-shirt qui continue son tatouage. Christina, chaque année, quand elle est sur l'île, qu'elle survit, je la trouve trop belle. Et dès qu'elle remet du maquillage, je me dis « Oh !» Et maintenant, il y a un résumé au début des Koh-Lanta. Et après, les candidats, quand ils arrivent, quand ils sont éliminés, ils vont réexpliquer ce qui s'est passé. Donc il y a deux fois le résumé, c'est cool. Ah bah voilà, et ils ont tout dit. Mundir, il est nul en jeu, donc du coup, il est bon en langue. Je parle pas en anglais, tout ça, je parle en... Il crache son venin. Et puis, il fomente, parce que Mundir, c'est un fomenteur. Non, c'est un vrai menteur, mais il fomente. L'épreuve de dégustation laisse des visages vraiment pantois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont déguster? Ouais, des vers vivants, quoi. C'est ça que je trouve dégueulasse, c'est qu'à chaque fois, ils arrachent la tête d'un animal, quand même, et ils le bouffent. Ouais, je suis pas sûr que la SPA, elle se retourne pas dans sa tombe. Il a dit go, il a pas dit top pour manger. Je suis sûr qu'il regarde mes vidéos. Tu dis pas go, tu dis top pour manger. Bah, c'est un jeu de confort, autant il s'en bat les couilles. Laurent qui mange pas. C'était pas 3, c'était 4. Ah, j'ai arrêté de jouer. Ah là là. Des blattes. Moi, ça me fait moins peur des blattes séchées qu'un animal vivant. Mâchez bien les ailes. Mâchez bien les ailes, hein. J'aime bien car ils mangent des trucs dégueulasses et les mecs, ils ont le regard planté dans le lointain. Vraiment, c'est une concentration, genre, ils regardent ailleurs. Ils regardent loin de leur bouche, en fait. Comme si leurs yeux pouvaient s'éloigner de leur bouche. C'est pas possible. T'es pas un escargot, mec. Pense aux enfants, Phil. Pense aux enfants. Ça, c'est génial à chaque fois que dans les épreuves de bouffe, à la fin, les deux qui doivent se battre, ils doivent choisir le gars qui va aller avec l'autre. Donc là, Martin, qui n'a même pas mangé un verre, eh ben, il se retrouve avec Théoura. Et Théoura va perdre. Et Laurent va sûrement être le binôme de Philippe. Un seul cadeau que je déteste à chaque fois, c'est quand ils vont rencontrer les populations locales. C'est chiant. Le dessert? Un œil. Un œil de Barracuda. Ça, c'est pas possible, un œil. C'est pas possible. C'est pas possible, un œil. Un œil, c'est pas possible. C'est pas possible, un œil. T'avales direct. Mais tu meurs, c'est gros. Oh non. La Martha, il est en train de vomir dans sa tête. Ah, quand eux, ils ont fini, les autres doivent attaquer, c'est ça? Martin, la gueule de Martin, putain. Ils disent, oh, non, non, non. Précis, les mecs, ils ont la tête du vomi, ils sont comme ça. Faut du mental, mais ce n'est qu'un œil. Mais mange un œil, toi, Denis Brognard, putain. Martin, et dans sa tête, il se dit, t'es, il va jamais y arriver. Oh, c'est quoi? Oh, mange la boule, mange la membrane. Mais c'est horrible. On dirait le porno le plus sale de la Terre. Je crois que c'est Laurent qui avait dit, je mange pas de poisson sur l'île, je crois. Et là, il est en train de manger un œil de barracuda, le mec. Mais c'est la première fois que je vois un mec coacher un gars pour manger un œil, quand même. Hein. Et en plus, il le fait à l'œil. Putain, Martin, il est tellement heureux. Martin, il a même pas eu à toucher à l'œil, quoi. Pourquoi ils ont pas de dents, les enfants, dans ce pays? Ah là là. On dirait un lapin inversé, un lapin négatif. Les swimtifs, les dents qui nagent. C'est ça, en fait, l'enfant. Ses dents, elles sont parties. Ils ont dit, on va faire du crawl. Et elles sont jamais revenues. Je sais pas, quand je reverrai cette vidéo plus tard, quand je serai en montage, je suis pas sûr que je serai fier de moi. Comment on appelle l'arbre où poussent les ananas? Les ananatiers? Et elle apprend à cuisiner le tarot? Moi, je vais t'apprendre à faire cuire le poker. Les yeux, ils pleurent.
Ça va de moins en moins bien. Demain, je dédicace à la FNAC et le soir, je joue mon spectacle. Philippe, dès qu'il arrive dans le village, il tue un enfant, il s'en fait d'écharpe. Paf ! Le sauvage. Tu mets pas un t-shirt pour les méduses ? Non. On est d'accord que Phil, quand il est arrivé sur l'autre Koh-Lanta, il a fait « Je vais faire ça ! Je vais faire ça ! Je vais faire ça !» Il a rien fait parce qu'il était nul. Et là, sur ce Koh-Lanta, Phil, il va même pas à la pêche, il fait rien. Que dalle. Laurent, il est en train d'emballer une locale. Mais il paraît que la suite de l'histoire, c'est qu'elle a pas voulu coucher avec lui parce qu'il avait des trop gros tétons. Ami, il doit être trop énervé. Ils ont accepté de recevoir des gens et t'as Laurent, il les humilie. Allez, danse, danse. Les mecs, ils sont tellement sales, ils dorment dans le lit des gens comme ça. Le lit, tu vas le cramer après. Théoura, j'avoue que ce matin, une part de moi a eu envie de faire une stratégie. Mais je sais pas faire, alors bon. Ami, il leur donne des cadeaux, deux ananas, des trucs et une branche. Oh, une branche! Trop bien! Bon, de toute façon, la surprise, c'est que le perdant du prochain jeu, il part. Et à mon avis, le perdant du prochain jeu, c'est vous dire, puisque le plus nul, c'est vous dire. D'un autre côté, je crois que c'est un jeu de réflexion, donc Phil pourrait partir. Aucune méchanceté de ma part. J'ai la sensation, quand même, que dans ce Koh-Lanta, là, dans cet épisode-là, on voit énormément de flashbacks. Ils ont rien. Il s'est rien passé depuis le début. Il n'y a rien. Je m'emmerde presque. Peut-être parce que je suis malade. Celui qui perd, il part. Faut fabriquer un serpent. Voilà l'épreuve. Mundir, il est flippé parce que la stratégie, elle sert à rien. Là. Mon cerveau ne va pas assez vite. Je cligne des yeux pendant une minute. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des pièces pas bonnes, Martin. Philippe, grand gagnant de ce Koh-Lanta, deux épreuves. Moi, je sens vraiment Mundir partir, là. Attends, mais il y a le conseil aussi le soir. Il y a un mec qui part et un conseil. Mais il y a plus grand monde dans ce Koh-Lanta. Mais ça se voit, Martin, que la pièce, elle va pas bien. Phil est deuxième. J'ai tellement été médisant. Martin, tu avais fini en premier avec une pièce à tourner. Putain, Mundir est sauvé. Ma femme, il est pour toi, celui-là. Il court dans la mer. Putain, en fait, il est content parce que c'était le seul truc qui pouvait le faire partir, quoi. Et Phil qui va le voir. Parce que l'autre, il est dans l'eau et il hurle. Alors Phil, il se dit, je vais aller le prendre dans mes bras. Ah putain, c'est Martin qui part. Non. Non, ah non, il a inversé des pièces. Vite, vite, s'il vous plaît, vite, s'il vous plaît. Putain, Martin. Je crois que Martin. Putain, Martin. C'était sûr, à partir putain, avec Martin. Un truc comme ça, c'est un peu chaud. Hein. Martin, putain, une putain de bromance là, je voulais pas que ça soit ça. Pourquoi lui? Il pêche des poissons! Il fait du riz! Le prochain à partir, c'est soit Théora, soit Phil. J'ai presque envie de pleurer que Martin parte. Voilà, c'est parce que mes yeux sont tout le temps au bord des larmes, je sais pas. Au revoir Martin, t'étais mon champion, t'étais mon cheval d'arçon. Quoi. Tellement de souvenirs dans ce Koh-Lanta, on se dirait dans un épisode de Saint Seiya. Théora, il est vraiment nul. Fait genre, là, Mundir, il lui fait comprendre qu'il le trouve pas réglo. Et là, Théora, il fait genre, ouais, d'accord, ok, ouais, mais bon, va, pardon, allez. Mais là, Mundir, il sous-entend que maintenant, il peut faire ce qu'il veut, quoi. J'ai vraiment de plus en plus de mal à faire la vidéo. Mais à un moment, Mundir, il a fait un truc sur le lait demi-écrémé, les aventuriers. Voilà. Il faut... Aventurier, demi-écrémé, et comme le lait, il doit être entier. Bon, le problème, c'est que Mundir, c'est pas un aventurier entier. Hein. Une murène. 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 Ouh, il est pas commode ce chat. Faut pas l'embêter, hein, il réagit vite. Alors, qui part dans ce Koh-Lanta? J'hésite entre Théoura et Phil. Peut-être pas, parce que depuis le début, Mundir, il voudrait que Théoura parte, puisqu'il c'est le plus fort. Je crois que Mundir, il va faire
Théoura, Laurent. Dire, il va être en finale avec Philippe et avec Philippe. C'est les deux moins forts, mais plus forts que lui. Deux Théoura, un Phil. Théoura. Dis-le-vite, je peux pas être plus proche. Théoura, Mundir est en train de gagner. Voilà. Ce résumé de Koh-Lanta est terminé. Croyez-moi, c'est pas dommage. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. Où je serai différent. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh! 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne.